Très bien. Ce serait Obasan, des petits sentiers d'Obasan, qui est une vieille japonaise qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et qui se concentre sur l'essentiel. Voilà, peut-être la toute première parce que c'était inédit, c'était après un long chemin. Donc bonne nuit Tsuki-san, histoire de deux petits enfants, petite Mi et petit Do, qui vont traverser la campagne japonaise pour trouver le meilleur endroit pour dormir sous la lune. Jardinière. Eh bien parce que je pense que c'est un petit peu comme finalement comme l'écriture. On sème, on peut récolter bien sûr, mais on attend. Il va y avoir parfois des péripéties, des problèmes dans la météo, etc. Tout un tas de petites choses. Et puis vient le temps de la récolte, de la dégustation, du renouveau. Voilà. Ah ben moi, c'est toujours un livre qui m'a beaucoup touchée, c'est Charles Juliet, L'année de l'éveil. Voilà, qui est vraiment un livre de reconstruction et la réflexion d'un homme sur son lien à l'écriture et comment l'écriture lui a sauvé la vie. Les gens du quotidien et notamment une femme qui a été ma grand-mère de cœur, Mamie Ginette, voilà, qui est un peu présente dans la plupart des histoires que j'écris. D'accord. Une histoire de table. Très bon spoiler.